Si vous êtes comme moi, une jeune femme dans la vingtaine, cette histoire va particulièrement vous toucher. Actuellement, on est dans un contexte d'éveil des consciences, après le mouvement MeToo. Bon, le monde n'est pas parfait, hein, mais aujourd'hui, on s'informe un peu plus. Et aujourd'hui, ce genre d'affaire, je pense, ne serait jamais passé. Bonjour à tous, ici Liv. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un récit assez glaçant. Celui d'une étudiante de 21 ans harcelée, une jeune fille et sa famille abandonnées par les autorités de leur état, à cause d'un système judiciaire faillible et corrompu. Cette histoire, vous allez le voir, est vraiment révoltante. Vraiment révoltante, c'est l'histoire de la descente aux enfers d'une jeune femme sans aucune main tendue pour la secourir. Nous sommes le 1er janvier 1999. La nouvelle année vient tout juste d'arriver et c'est le jour où Shiori rencontre Makoto Komatsu. Makoto a seulement 23 ans et il est entrepreneur dans l'automobile et dans l'immobilier. Shiori, qui est encore étudiante, est assez impressionnée par ce jeune homme qui est à peine plus âgé qu'elle et qui a l'air d'accomplir énormément de choses. Non pas qu'elle souhaite en profiter, bien sûr, mais elle est tout à fait admirative de ce qu'il a pu accomplir en si peu de temps, quoi. Et à ce moment-là, il n'est pas certain qu'elle ait un véritable intérêt pour lui. Elle le trouve mignon, elle le trouve éduqué, elle voit qu'effectivement il a de l'argent, ce qui fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de sortir avec quelqu'un qui a de l'argent et qui peut nous payer des choses, comme des restaurants, parce que moi j'adore manger. Il flirte dans ce petit bar, dans ce restaurant, mais Shiori n'est pas certaine qu'elle a envie de s'engager avec lui pour la vie. Ça n'a pas été un immense coup de foudre non plus. Mais quand ils se séparent, les deux parties sont plutôt heureux. Shiori se dit que ce garçon a l'air d'être un bon parti. Si jamais elle veut l'épouser un jour, elle n'aura pas peur de le présenter à ses parents. Et Makoto, lui, sourit pour une toute autre raison. Il sait qu'il a réussi à berner la jeune femme. En réalité, il ne s'appelle absolument pas Makoto Komatsu, il s'appelle Kazuhito Komatsu. Il ne travaille pas dans l'automobile ni dans l'immobilier, mais il gère plusieurs sex shops dans le quartier d'Ikekuburo à Tokyo. Autant vous dire qu'il est loin du personnage qu'il a inventé pour séduire Shiori. Donc les deux jeunes gens décident de se revoir 4 ou 5 fois, le courant a l'air de bien passer. Et au bout de ce 4e ou 5e rendez-vous, Komatsu offre un beau cadeau à Shiori. C'est un très 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 beau cadeau, un cadeau très 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 cher également, au point où Shiori se sent hyper gênée quand elle ouvre le paquet. Et là elle dit, écoute Makoto, je sais que ça vient du cœur, mais moi je ne peux absolument pas accepter un cadeau de ce genre. C'est beaucoup trop pour moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Et voilà, très gentiment, elle repousse le paquet. Mais ça, Kazuhito n'a pas du tout envie de l'entendre. Et il se met immédiatement dans une colère noire. Il lui dit, écoute, je t'ai fait un cadeau, ça me fait plaisir, tu ferais bien de l'accepter. Si tu veux que tout se passe bien entre toi et moi, il faut que tu acceptes mes cadeaux. En fait, il a été extrêmement vexé par la réaction de Shiori. Et elle, elle n'est pas du tout rassurée en voyant que cet homme peut s'énerver pour si peu. Elle se dit qu'il est vraiment imprévisible et justement, elle n'a pas envie de l'énerver davantage. Elle accepte le cadeau, elle lui dit merci et elle rentre chez elle avec. Mais autant vous dire que elle commence légèrement à se désintéresser de lui. C'est-à-dire que elle a vu un côté de lui qu'elle ne pensait jamais voir. Entre le 4e ou 5e rendez-vous et le 5e ou 6e rendez-vous, Makoto appelle Shiori. D'accord, c'est normal, pour qu'il puisse discuter, vous vous direz. Mais il appelle sur son téléphone fixe. Et elle ne lui a jamais donné son téléphone fixe. Il n'a que son téléphone portable. Elle trouve ça un petit peu étrange, mais encore une fois, elle se dit qu'elle va mettre ça de côté. Parce que tout de même, c'est un garçon quand même très charmant. C'est pour ça qu'elle persévère, malgré ses côtés un peu étranges. En mars, Shiori se rend jusqu'à l'appartement de Komatsu afin qu'ils puissent passer un après-midi ensemble. Elle arrive donc chez lui, s'assoit dans son canapé et ils se mettent un petit peu à discuter de tout et de rien. Shiori réalise qu'une caméra semble pointer vers eux. Elle ne l'avait absolument pas vu au début et elle trouve ça assez louche. La caméra n'a pas l'air juste posée là, elle a réellement l'air d'être en train de les filmer. Immédiatement, elle dit à Komatsu, écoute, t'es en train de nous filmer là? Genre, qu'est-ce qui se passe? Et le jeune homme s'énerve. Il s'énerve violemment. Là, il ne sent absolument pas dans un lieu public et il peut se montrer aussi violent qu'il le souhaite. Et donc, il va frapper Shiori. Après cette crise de colère, Shiori décide de quitter l'appartement. Elle est choquée comme vous pouvez l'imaginer, elle n'a pas du tout envie de revoir cet homme. Mais alors qu'elle est sur le pas de la porte, il lui dit justement « Ne crois pas que tu peux m'échapper, et surtout ne crois pas que tu peux me désobéir. » Et là, il la force finalement à poursuivre la relation malgré tout.
Après cet incident, le harcèlement a continué, au point où Shiori a décidé de se rendre jusqu'au poste de police d'Ageo, un poste de police local, et d'expliquer tout ce qui s'était passé. Malheureusement, le policier qui l'a reçu lui a dit qu'il ne pouvait pas traiter l'affaire, car c'était une histoire entre un homme et une femme. Finalement, c'est une histoire d'amour, il y a des hauts et des bas, madame, on ne peut pas vous aider pour ça, vous allez devoir vous en sortir toute seule. Est-ce qu'il n'avait pas compris la gravité de la situation? Vous le comprendrez plus tard. Le 24 mars, Shiori se confie à une de ses amies. Elle lui dit « Tu sais, le garçon avec qui je sors, Makoto, vraiment je le sens absolument pas, il m'a déjà frappé à plusieurs reprises, il m'harcèle par appel, je sais qu'il pourrait me faire du mal, je me sens absolument pas en sécurité. » Quelques jours plus tard, le 29 mars, Shiori va jusqu'à écrire un testament. Et dans ce testament, elle écrit que si jamais elle devait mourir, si jamais il devait lui arriver quelque chose, c'est ce Makoto qui serait responsable. Quelques temps plus tard, Shiori exprime son envie de rompre à Makoto. Et là, elle lui dit qu'elle n'a absolument pas intérêt à le faire car il sait où son petit frère étudie, dans quelle école primaire, et qu'il n'hésitera pas à lui faire du mal. Donc à ce moment-là, Shiori décide de calmer le jeu et de continuer la relation. Le 13 juin, elle invite à nouveau Makoto à discuter. Il se pose dans un café et elle lui dit à nouveau « Écoute, je n'ai pas envie de continuer cette relation, tu me fais du mal. » Tout simplement, on ne s'aime pas, je ne t'aime pas en tout cas, et je commence vraiment à souffrir de cette situation. Le même jour, Kazuhito et son frère Takeshi débarquent chez les Ino. Shiori est seule avec sa mère et donc elle est terrifiée. Les deux jeunes gens forcent l'entrée et ils commencent à menacer la mère et sa fille. Et surtout, Kazuhito demande à Shiori tous les cadeaux qu'il lui a fait. Les deux femmes sont vraiment terrifiées et heureusement, le père de Shiori finit par rentrer du travail. Lui-même se fait menacer par les deux hommes, mais il est impassible. Il leur dit, écoutez, maintenant vous avez fait assez de dégâts, vous sortez tous les deux de chez moi, je ne veux pas de vous chez moi, sinon j'appelle la police. Ils finissent par quitter les lieux, et en partant, Kazuhito lance à Shiori, dans tous les cas je peux les garder ces cadeaux, je n'en veux pas. Pourtant, le soir même, un certain Tanaka appelle au domicile des Shiori, et demande le retour des cadeaux. Et ainsi va commencer un harcèlement téléphonique, un harcèlement silencieux, jusqu'à octobre 1999. Le 15 juin, Shiori retourne voir la police de Saitama, la ville où elle vit, et elle est accompagnée de ses parents à ce moment-là. Elle exprime à nouveau ses craintes pour cette relation qui ne veut pas se terminer, et les policiers lui disent que tout ça est de sa faute, qu'elle n'aurait pas dû accepter autant de cadeaux. Ensuite, sur suggestion de la police, ils se rendent dans un centre juridique gratuit. Et là, le juriste qui les reçoit leur dit exactement la même chose. Mais jeune fille, pourquoi vous avez accepté autant de cadeaux de cet homme? Vous ne l'aimiez pas. Et bien sûr, Shiori n'arrête pas de leur dire, mais je n'avais pas le choix. Si je n'acceptais pas ces cadeaux, il me faisait du mal. Mais personne ne veut entendre sa version. Le jour suivant, Shiori reçoit un appel de Kazuhito, Makoto, comme vous le voulez, qui lui dit qu'il exige qu'ils se remettent ensemble. Il exige qu'ils se remettent ensemble. Elle refuse et elle lui dit que s'il continue d'appeler chez elle, elle contactera les autorités. Et là, il se met dans une colère noire et il raccroche brutalement. Entre juillet et août 1999, près de 1000 tracts calomnieux sont distribués dans toute la ville, à l'école du petit frère de Shiori, au travail du père de Shiori. Des tracts diffamant tous les membres de la famille, et chez les Japonais pour qui l'honneur est vraiment très importante, pour qui la perte de cet honneur entraîne une honte incommensurable, vous imaginez bien l'impact de la distribution de ces tracts sur les Ino. En septembre, un policier se rend chez les Ino, il frappe à la porte, c'est la mère qui le reçoit, et il dit à la mère, écoutez madame, on a bien reçu votre plainte, mais est-ce que vous ne pourriez pas tout simplement abandonner les poursuites? Là, la mère de Shiori lui dit, bah, écoutez, si je retire ma plainte, je ne pourrai pas la déposer à nouveau. Et lui affirme qu'elle pourra à nouveau déposer sa plainte si elle la retire. Ce qui est totalement faux, par ailleurs, je préfère vous le préciser. Alors pourquoi ce policier a-t-il fait ça? Certainement parce que une plainte non résolue aurait baissé les performances du poste de police. Des agents de haut rang craignaient certainement qu'une affaire non résolue nuise à leur réputation. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous donner un petit peu de contexte, hein. On dit souvent que le Japon est un pays très paisible, où il y a très peu de crimes. C'est globalement assez vrai. Mais il y a un facteur à prendre en compte, un grand nombre de postes de police japonais sont corrompus. C'est-à-dire que des policiers peuvent refuser de prendre votre plainte s'ils savent qu'ils ne pourront pas résoudre l'affaire. Pourquoi? Car cela pourrait baisser les performances de leur poste de police. L'honneur est très important au Japon, comme vous le savez. Bien sûr, la mère de Shiori a décidé de ne pas retirer sa plainte et le harcèlement a continué. Le 20 juin,
Shuri renvoie tous les cadeaux qu'elle a reçus à Komatsu. Et le jour suivant, Takeshi, le frère de Kazuhito, approche un ancien gérant de l'un de leurs salons de massage, un homme de 33 ans appelé Yoshifumi Kubota, et il lui promet 20 millions de yens contre l'assassinat de Shiori. Kubota accepte et il recrute deux connaissances pour mener à bien ce projet, Akira Kawakami et Yoshitaka Ito. Ensuite, le 4 juillet, Kazuhito Komatsu part pour Okinawa pour se faire des petites vacances et bien sûr pour se faire un alibi. Et pendant ce temps-là, Kubota, Kawakami et Ito font des petites rondes autour du domicile des Ino. Ils observent les allées et venues de la famille pour trouver le bon moment pour attaquer. On est le 26 octobre 1999 et c'est un beau jour pour Shiori Ino. C'est un beau jour car cela fait déjà quelques temps qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Kazuhito ou Makoto comme elle pense qu'il s'appelle. Et ça suffit pour l'apaiser. Elle se dit que peut-être, maintenant qu'il a reçu ses cadeaux, il va arrêter de l'embêter. Shiori part de chez elle à vélo. Elle doit se rendre jusqu'à la gare d'Okegawa d'où elle prendra un train pour aller jusqu'à l'université. Et alors qu'elle fait son petit trajet jusqu'à la gare, elle est repérée par Kawakami qui vient justement de déposer Kubota à la gare. Il se dit que c'est le moment ou jamais de tuer Shiori. Et alors que la jeune fille est en train de garer son vélo tranquillement, il arrive en traître derrière elle avec un couteau et il la poignarde. Il la poignarde dans le dos. Shiori sent simplement un pic de douleur dans son dos, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se retourne et elle voit Kawakami qui lui plante le couteau dans le cœur. Bien sûr, des passants accourent, ils sont horrifiés, ils appellent une ambulance, mais c'est déjà un peu trop tard pour Shiori qui va mourir, qui va décéder à l'hôpital central d'Ageo. On passe à la partie qui va le plus m'énerver. Après le décès de Shiori, la police de Saitama va lancer une véritable campagne de désinformation contre la jeune fille. Alors que c'est la victime, et alors qu'elle est morte. Non seulement ils ne l'ont pas aidée, mais après sa mort, ils ont fabriqué un persona de Shiori, disant que c'était une jeune fille volage qui avait des goûts de luxe. Ils ont notamment fait une description de la tenue qu'elle portait le jour de son meurtre, en précisant un sac Prada et une montre Gucci, comme si ça justifie quoi que ce soit. Et bien sûr, les tabloïds et la presse grand public se sont immédiatement emparés de l'affaire, faisant de Shiori une escorte, lui prêtant encore une fois une vie de fille volage, au goût de luxe qu'elle n'avait absolument pas. C'est grâce au travail de Kiyoshi Shimizu que toute la lumière a enfin été faite sur cette affaire, et que les frères Komatsu ont été attrapés, ont été retrouvés en tout cas. Il a écrit un long article qui a été publié dans le magazine Focus, révélant le harcèlement de Shiori. Et à ce moment-là, la roue a tourné pour Shiori. Enfin, l'opinion publique était de son côté et ça a forcé les autorités à faire leur travail. Enfin. À la suite d'une enquête, 6 agents ont fait l'objet de mesures disciplinaires et 3 hauts fonctionnaires ont été licenciés et inculpés pour falsification de documents en raison de leur refus de traiter les accusations portées par Shiori Ino pendant son harcèlement. Et ça, ça fait plaisir à entendre. Le tueur à gages Kubota a été condamné à 18 ans de prison. Kawakami et Ito ont eux été condamnés à 15 ans de prison. Takeshi a été condamné à la prison à perpétuité, mais il a fait appel. Malgré tout, la Cour suprême a confirmé sa condamnation, et ça c'est ce que j'aime, les meurtriers en prison. Maintenant, je sais que vous vous demandez, où est Kazuhito? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le corps de Kazuhito a été retrouvé dans le lac Teshikaga. Sa mort est considérée comme un suicide puisqu'il a laissé une note dans sa valise qui était dans l'auberge où il résidait. Note dans laquelle il avait écrit qu'il se suiciderait après avoir commandité le meurtre de Shiori. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis le meurtre de Shiori. Il faut savoir qu'aucune excuse n'a été présentée aux parents de Shiori par les hommes qui ont perpétré ce crime. Mais aussi, aucune compensation ne leur a été accordée par le tribunal. La douleur et la colère depuis son meurtre n'ont pas changé, mais j'ai progressivement réussi à contrôler mes émotions. Ce sont les mots de Kenichi, le père de Shiori. Ce que je trouve le plus triste, c'est que les Ino ont créé un petit hôtel à la mémoire de Shiori dans leur salon, un hôtel traditionnel, hein. Et donc sur cet hôtel se trouvent les cendres de Shiori. Et pour ne pas qu'elles dorment seules la nuit, ils dorment tous les soirs dans leur salon, près des cendres de leur fille. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai un goût amer dans la bouche, honnêtement. Et j'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires. Alors, j'ai souvent parlé d'affaires, j'ai l'impression, où des jeunes femmes ont été trahies parce qu'elles avaient refusé les avances d'hommes, de jeunes hommes. Et
Je ne comprends toujours pas comment ce genre d'histoire peut tourner aussi mal. Pourquoi certaines personnes n'acceptent tout simplement pas l'échec? Si vous avez aimé la vidéo un tant soit peu, mettez un petit like. Ce n'est pas un petit like pour le sujet, bien sûr, hein, mais tout simplement pour soutenir mon travail. Abonnez-vous également à la chaîne, je sais que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne et pourtant à regarder mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.